salut, c'est Didier et GG de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui, on vous propose une vidéo collection, ça faisait longtemps. Ouais, la collection de la PlayStation 1. Voilà, PS1, PS1. Ouais, une console qui me tient beaucoup à cœur, comme je disais. Donc la console de GG. Ouais. Qui me tient beaucoup à cœur. Donc on va vous présenter par les consoles en premier. Ouais, donc vas-y. Donc bon, bah, la PlayStation 1, voilà. La toute première. Donc ça, c'était une console qu'on avait trouvée en vide-grenier. Voilà. Et celle-là, par contre, celle-là, c'est celle que j'avais à l'époque. Bon, la boîte, bien sûr, parce que la PS1, la lentille était HS. Voilà. Donc, on l'a remplacée par une autre PS1. Mais la boîte, c'est celle d'origine. Donc, très content. Elle est collector. Ouais, elle est collector. Non, mais tu te rends compte, c'était à moi. Ouais, donc ensuite, on va vous présenter les jeux. Il y a 119 jeux en total. Donc, il y en a un qui sera pas dedans parce que c'est dans les prochains achats. Voilà, donc vous attendrez pour le voir. Ouais, donc il y en a sur 18 du coup. Donc, on va commencer. Bon, bah. On va pas s'éterniser sur les jeux. Non, on va y aller franco. Ça va durer 3 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Chacun sa pile et on présente? Non, allez, n'importe. Hein, chacun notre tour, je m'en fous. Allez, tu commences ou je commence? Donc, on a Ghost in the Shell. Donc, très heureux de l'avoir celui-là. Sachant que je suis très content. C'est ça. Il est content. Donc on a Bugs Bunny Voyage à travers le monde, excellent jeu ça. Donc on a le Jax contre Dr. Rez. Bugs Bunny et Taz, la spirale du temps, je l'ai repris en 3 fois. Donc un autre Jax 3D, également sorti sur Nintendo 64. Oui, que, bah, on en avait parlé la fois, mais c'était marqué sur la 64, c'est Jax 3D 64 je crois. Ouais, ils ont voulu s'attribuer. Ouais. Donc on a Blown Omen, Legacy of Kain. Ouais, et heureux de l'avoir celui-là aussi. Très content. Ouais, on a G-Police. Nous avons Beast War. On a... tu veux que je te donne un coup de main? Fine. On va montrer tous en même temps, je pense. Ouais, allez hop. Donc c'est l'IFF. Donc, Final Fantasy qu'on a là. Final Fantasy, donc il y a le Anthology. Attends, tu vas trop vite. Il y a le... Donc on a le Anthology. Excusez, on a un peu de mal à présenter. Tant. Et avec la lumière, c'est pas le top. Voilà. Donc Anthology. Origine. Nous avons le Origine. Voilà. Nous avons le 6. Le 6. Donc on va dans le sens. Le 7. Voilà. Le 8. On s'y prend, et comme, le 9. On s'y prend comme des pieds, je crois bien. Donc voilà. Beaucoup de finales. Voilà. Bon, on les a tous sous la PlayStation. Voilà. Ensuite, nous avons Battle Arena Toshiden. Ça, c'est un cadeau de Benji. Je recherche le 3. Parce que le 3, c'est celui que c'était ton oncle qui me l'avait prêté à l'époque. Ouais. Et j'avais adoré. On le récupérera peut-être. Oui, sûrement. Ensuite, on a le Egypt. Petit point and click que j'ai toujours pas testé. Ouais. Atlantis. Secret du monde oublié. Ça, pour l'époque, c'était un cadeau de, bah, pareil, de l'oncle de Didine. À l'époque, parce qu'avec Didine, on se connaît depuis des années et des années, depuis qu'on est petit. Et donc, c'était un cadeau de son oncle et sa tante Atlantis pour l'époque. C'était... Ouais. Ça, c'est les jeux de l'époque. Bon, pour vous dire, en fait, il y a un cas. Je veux dire, une quarantaine de jeux, c'était de moi de l'époque, ouais, on va dire. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai des petites histoires sur certains jeux. C'est cool. Ensuite, je vais montrer les trois en même ouais, temps. Ouais, vas-y. On a le Duke Nukem. Je pense que ça ira plus vite, ouais. Si on monte comme ça. Le Duke Nukem Time to Kill. Excellent jeu, ça. Le Duke Nukem. Et le Duke Nukem Land of the Barb. Babe. Or the Barb. Babe. Ensuite, nous avons Astérix. Et Astérix Maxi Delirium. Astérix est là. Ouais. Pardon. Donc celui-là, Maxi Delirium, c'était pareil, très bon souvenir avec mon cousin, on y jouait tout le temps. Ensuite, Driver le premier, Driver le deuxième. Le deuxième, nous avons App Escape. Pareil, pour l'époque c'était dur parce qu'il fallait jouer avec les joysticks pour attraper les singes. On a Quack Attack avec le Donald. Alundra 2. On va essayer d'aller assez vite parce que... Hercule. La base. Nous avons A Bust Live. Mille une pattes. Oh, on a du mal, bordel. Version française, quoi. Ensuite, Digimon. Digimon. Attendez. Je sais que tu l'aimes bien, toi, celui-là. Hein. Ouais, Digimon, j'avais aimé. Digimon World. Ouais, j'avais aimé. T'as bien aimé. Alors, attends, ça, on met ça de côté. Moi, je les ai devant moi. Nous avons MB Hay Live 99. Pareil que j'ai joué souvent avec ma frangine, celui-là. On a Diablo. Diablo. Mickey Wheel Aventure Wild. Ensuite, on a Croc le premier, Croc le deuxième. Nous avons Kingsley Aventure. Ça, pareil, c'est un cadeau de l'oncle et la tante de Didi. Excellent jeu. Beaucoup bon, je sais que moi, j'affectionne beaucoup ce jeu. Ah oui, d'accord. Attendez. Vas-y. Donc, ensuite, nous avons la série des Crash Bandicoot. Donc, nous avons le 1,
Nous avons le 2 en le, platinum. C'est ça. Nous avons le Warped. Le 3. Le Warp. Nous avons le Crash Bash. Et pour finir, le CTR, le Crash Team Racing. Crash Team Racing est excellent, quoi. Ouais. Toi, t'aimes pas trop, toi. T'es préfères. J'ai du mal. Didine, elle est toujours sur son Mario Kart 64. Bon, ouais. Alors, bon. Ensuite. J'allais reprendre dans une pile qu'on avait déjà faite. Ça aurait été marrant. Donc, nous avons Erx Aventure. Vidéo, elle pas aurait... trop, pas trop commun, elle ce jeu. Duré 15 ans. Ah ouais, bah, les mecs, ils présentent 15 fois les mêmes jeux. La Coupe du Monde 98, excellent jeu que tu marques du milieu de terrain. Ah oui, bah oui. J'avais fait un gameplay avec Emeline, elle avait gagné. Nous avons Earth of Darkness. Alors, Colin McRae Rally. Ah, ce, du coup, on a... ce genre de jeu. Ah ouais, c'est, ça change. Nous avons Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. Donc, pour la petite histoire, je séchais à l'école pour les faire. C'était un copain, à chaque fois, des one, il l'achetait et dès qu'il l'avait fini, bah, il me le prêtait. Mais en 5 heures, il l'avait fini. Ouais, et du coup, il me le prêtait et je faisais exprès de louper le bus. Voilà. Donc ensuite, on a le Capcom Génération. Ouais, c'est des petites histoires, regardez. 1, 2, 3, 4. Nous avons Grandia. Ça, c'était trop envie de grogner, ça. Donc, c'est une version exclusive. Hein. Ouais, sauf, attends, bon. Je ramène une pile. Donc ensuite, nous avons Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Bah, jeu de cartes, moi, j'aime bien. Nous avons GTA. Le tout premier, et on a GTA, c'est GTA London, donc ça c'est pareil, un cadeau de Benji, ça, voilà. Ensuite on a X-Men vs Street Fighter. Alors pour la petite histoire, c'est celui-là, ça aussi, c'est de moi de l'époque. Ouais. J'ai un peu de mal, désolé. Donc du coup, tiens, je vais donner un coup de main. Pas de problème. Donc nous avons Gran Turismo. Ouh. Nous avons Gran Turismo 2, également. Et Gran Turismo 2, format... gros boîtier. Donc il ouais, si y a un CD bonus dedans. Ouais, c'est juste voilà. L'histoire du CD bonus. C'est ça. Contenant le permis B, 15 voitures de course et 100 000 crédits. Voilà. Wouhou. Ensuite, nous avons le Will Arm acheté en cash. Ça, c'est un cadeau que tu m'as fait. Ouais, je l'ai acheté en cash pour toi il y a quelques mois. Attendez, j'en prends une pile. Il arrive. Il revient. Nous avons Saga Frontière. Deux, parce que Sega c'est plus fort que toi. C'est pas trop le même truc. Ouais, mais j'ai dit Sega, c'est j'ai pas dit. Ouais, nous avons Wargames Defcon. Defcon 1. Un petit jeu de stratégie que j'avais bien aimé. Pareil, à l'époque c'était l'oncle de Didine qui me l'avait prêté. Et j'avais adoré quoi. Donc du coup on l'a retrouvé en vie de grenier. Bah, c'est un dingue. Alors Ridge Racer type 4. On a trouvé l'année dernière. Ouais. Ou il y a deux ans, je sais plus. Je sais plus. Warcraft 2. Warcraft 2. Warcraft. Bon, par contre, on a acheté une souris, la souris PlayStation. On aurait pensé que ça aurait fonctionné avec ce jeu, mais non. Ben, avec Diablo, je crois bien. Nous avons Metal Gear Solid, le meilleur jeu de la PlayStation. Et donc, nous avons Metal Gear Solid Mission Spéciale. Ouais. Donc, moi, je les ai pas fait. Non, ben moi, je les ai mais fait. J'adore les musiques. Je l'ai refait, j'ai dû le faire peut-être 20 fois ce jeu. Ouais, j'adore les musiques de ce jeu, c'est un truc de ouf. Ensuite, nous avons Vagrant Story. Pareil, ça, c'est deux mois de l'époque. Nous avons Medieval 1. Nous avons Medieval 2. Excellent jeu. C'est des jeux à posséder sur la PlayStation. Ensuite, une fin de loup. Ensuite, nous avons le jeu le plus pourri. Franchement, je vais dire, le plus pourri de la PS1, c'est le jeu M&M's. Donc, ils ont essayé d'en reprendre sur Crash Bandicoot. En vrai, et c'est mauvais. Il y a Benji, je crois, mec, il l'a acheté pour le tester. Il a dit que c'était vraiment mauvais, quoi. Je lui avais dit, tu l'as, faut que tu le testes. Et il l'a testé. Donc, si vous voulez, si vous voyez, prenez-le, essayez-le. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Ça coûte pas trop cher, vous pouvez le trouver à 2 balles. Ça va. Ensuite, on a Toy Story 2 et le Toy Story Racer. Qu'on a fait un gameplay il y a une période de temps. Ouais, il y a déjà un moment déjà. Nous avons Lucky Luke et Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. Ouhou. Je montre les deux en même temps. Ouais, oui. Facile. On les suit, ça va. Ensuite, donc on a le Tomb Raider. Le premier. Tu veux que je donne un coup de main ou c'est bon ? Le Tomb Raider 2. Voilà. Avec notre belle Lara Croft. Le 3. Le 3. Attention que ça brille. La révélation finale. La révélation. La révélation. Et Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. On les a tous aussi, je crois bien. Ouais. Sûr. Ouais. Donc. Ensuite. Sympa. Les Race Moquettes. Et les Race Moquettes font leur cinéma. Donc c'est pareil, c'est des petits party games. Hein. C'est ouais. Plein de mini-jeux. Ensuite, on a le Time Crisis qui se joue avec le pistolet. Ouais. Du coup, t'as pas la suite avec
Il est où l'autre? Je sais pas, il doit être dans une des villes. Il en manque. Ouais. Donc, ensuite, Les Cochons de Guerre, un jeu que j'affectionne beaucoup aussi. Un jeu que j'ai kiffé, ouais. Ah ouais, non, mais c'est un de mes jeux de mon enfance. Si vous aimez les Worms, vous aimerez Les Cochons de Guerre. Hein. C'est pareil, c'est le même principe. Hein. Ensuite, il est lourd le boîtier là, je trouve. On a Tekken 2. Je trouve qu'il est vachement lourd le boîtier. Ah, parce que la notice, elle est. Ouais. Ensuite, Les Chevaliers de Baphomet. Un point and click, hein. Ouais. Ensuite, bah, Tarzan. Tarzan. Nous avons Legend of Phoresia, la contrée interdite. Bah, ça, c'est un jeu de mon enfance que je jouais. Hein mm-hmm. C'est un jeu de mon enfance que je jouais avec mon cousin. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à 4. Mais par contre, pendant les cinématiques, c'est vrai que les voix françaises sont nulles à chier, quoi. Ensuite, on a Toka World Touring Cars. Excellent jeu, moi j'adorais pour l'époque. Legacy of Kain, Soul Reaver, avec sa belle jaquette, ouais. Je sais pas, on dit holographique ou je sais pas quoi. Ouais. Ensuite, nous avons Siphon Filter, le premier, le deuxième qui arrive. Suite. Et le troisième. Voilà. Pour la petite histoire, moi j'ai fait que le premier, les autres je les ai pas fait. Exactement. Peut-être le 2, si à l'époque mon cousin l'avait. Nous avons Koudelka, encore un cadeau de Benji. Faut que je le tienne bien parce que le boîtier, je crois bien qu'il était. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons Street Racer. Du coup, t'as pris ta croix comme pile encore. Là, moi, celle-là. Ah, d'accord, bah, je vais mettre ça au milieu. Nous avons quand même un Resident Evil. Waouh, Resident Evil. Un des seuls qu'on a sur la PS1. Youhou. Parce que les autres, on les a pas trouvés en micro-nique. Ouais. Ensuite, un petit Street Fighter Alpha 3. Ah, ça, c'est un cadeau que tu m'avais fait. T'avais négocié à Easy Cash. C'est celui que j'ai négocié à Easy Cash. Donc, ensuite, nous avons. Rayman, excellent jeu. Hein. Rayman, ça c'est, ah bah, Rayman, c'est un jeu à posséder. Hein. Rayman 2 aussi, que j'ai jamais fini. Et nous avons Rayman Rush. Voilà. Donc, ça va pas à faire. Ensuite, nous avons la Star Wars, l'épisode 1, La Menace Fantôme. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. Le Star Wars Dark Force. Dark Force. Nous avons Point Blank. On a que le premier. Et encore, je crois bien qu'ils en ont fait deux encore. Ouais. Ensuite, il y a un petit accessoire qui va avec, on va dire. Nous avons Spyro the Dragon. Ouais, donc l'accessoire, c'est pas un accessoire, c'est... Ouais, c'est un range CD. Voilà, vas-y. Donc c'est ce qui est allé avec le deuxième. Voilà, donc Spyro 2. Bon, c'était un pack qu'ils avaient fait, avec la sacoche, quoi. Une sacoche où vous pouvez ranger vos CD. Donc pareil, c'était de mon époque, quoi. C'est de moi, quand j'étais bébé. C'est de lui. Spyro Years of the Dragon. Ah, ça c'est... De toute façon, les Spyro, c'est... Voilà. Contient un transfert Spyro pour le t-shirt. Ouais, bah ça, je l'ai plus parce que j'avais collé sur la PlayStation, ça n'a jamais tenu, mais bon, le mec il est con. Après, c'est quand t'es gosse, tu fais pas attention. J'avais mis sur la PlayStation, ouais. Ouais. Nous avons Parapapa the Rapper. Parapapa. Pareil qu'on avait trouvé un vide-grenier. Un vide-grenier, ouais. Et j'avais compris, il était quoi, peut-être 10h du matin, ouais. 11h, il y avait plein de monde, c'est un gros vide-grenier, il y avait plein de monde qui le cherchait. Ouais. Ils l'ont pas pris et on l'avait eu pour 2€. Ouais. Ensuite, on a un Speed Freaks. Oh, quel bel anglais. Ouais. Pandemonium 2. Moi, j'affectionne pas trop ce style de jeu. C'est avec Morganus. Ouais, ça, c'est un échange avec Morganus. Avec Morganus, ouais. Pour la petite histoire. Et t'avais aussi... t'avais présenté un jeu, c'était Speed Racer. C'est... Ouais. Street Racer, pardon. Street Racer. Street Racer, c'est un cadeau de Senyuki. On a un Soul Blade. Soul Blade. Avec la super intro. Nous avons Overboard. Overboard. Donc pareil, pour la petite histoire, c'était sur la démo, j'adorais jouer à la démo. Du coup, j'ai acheté le jeu, mais je l'ai jamais fait. Ensuite, Small Soldiers. Ah, ça c'est pour le film, j'adorais le film. Le jeu est moins bien, c'est ça. Ça ne suit pas, l'histoire du film. Mais il est bien quand même, moi je sais que c'est à mon goût, c'est mes goûts personnels. Voilà, Et non, nous avons les deux Hot Wheels. Voilà. Et non. Excellent jeu, mais très dur. Oui, c'est ça. Et non. Ensuite, celui-là j'ai beaucoup joué moi chez mon oncle. Parce qu'il l'avait. C'est le Need for Speed Poursuite Infernal. J'y ai énormément. J'adorais parce qu'il y avait une voiture, ça doit être une Corvette. C'est la Corvette. Et je la mettais à chaque fois en violette avec les éclairs sur le côté là. Et l'histoire, c'est le fait d'être poursuivi. Ouais. C'est ça. Et le fait d'être poursuivi par les flics, c'était bien. Ouais. Ensuite, nous avons Necronomicon. Donc Necronomicon. C'est un point and click. Donc j'avais testé quoi, 10 minutes, ça a l'air d'être sympa. C'est un moment déjà qu'on l'a reçu. Ouais. Ensuite, le Time Crisis, le voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, il était perdu le con. Ensuite, Theme Park World, que j'avais sur PC pour l'époque.
Et j'ai, du coup, je l'ai repris sur, sur PlayStation 8. Tu crées ton parc. Ouais, c'est sympa. C'est une gestion de parc, voilà. Ensuite, Legend of Dragoon. Ah, ça, c'est une belle pièce qu'on a dans c'est la collection. Ça, c'est un échange qu'on avait fait avec Adrien. Ouais. On avait échangé contre Metroid Prime Trilogy. Ouais. Et je regrette pas. Non, du tout. Bon, bah, pour finir, pour ma part, Edini, voilà. On va finir sur les deux derniers jeux, là. Exactement. Nous avons Tetris Plus. Et moi, pour terminer, donc le Tekken 3. Pour ma part, il y en a qui vont dire qu'ils préfèrent le 2. Bah, moi, je préfère le 3 parce que c'est le 3 que j'ai découvert en premier, quoi. Après, et pareil, c'était sur également une démo de jeu. Ouais, les démo goûts et les couleurs de chacun, ça mais, se discute pas. La plupart du temps, ouais, les démos de jeux, ça te fait découvrir des jeux. Ça, à l'époque, ça servait quand même beaucoup, beaucoup. Comme Hercule. C'était quand même Hercule sur Disney, le jeu Hercule, c'est pareil, c'était sur une démo. C'était génial, les démos. Bah, le Hercule, il est bien. C'est vrai, pour l'époque, on avait plein de démos. Ça, c'était cool. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de notre collection. Ouais, on a 119 jeux, donc, dont un qui reste au côté qu'on pour la vidéo achat. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, on se dit plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut. Allez, salut.